Oui, alors nous sommes ici sur le site de la plage de Babin à Bornalo pour 2 jours de village nature et culture en découverte organisé par le Parc national de la Guadeloupe et la ville de Bornalo. Alors ce village, il est organisé dans le cadre de notre programme d'animation annuel hein, qui a débuté le 6 juillet et qui s'achèvera le 16 août. Durant 6 semaines, le parc fait un peu le tour des communes de son aire d'adhésion. Nous avons 20 communes signataires de la charte du parc national et nous nous arrêtons dans chaque commune pour proposer des animations autour du développement durable et de la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons un beau village d'animation à proposer au public, hein, donc ici sur le site de la plage Babin. D'abord, nous avons eu 2 sorties nature découvertes. Une première à 6h du matin pour observer l'avifaune avec Anthony Lévesque. Et une seconde à 9h sur la trace de la case aux Lamantins. Mais à côté de ça, nous avons aussi sur ce village, donc toute la journée, des animations proposées au public, un atelier de fabrication de bijoux à partir de graines locales, un bic à parole sur le changement climatique avec Monsieur Jean-Marie Flower, un atelier fresque du climat pour connaître un peu les effets du changement climatique et voir comment on peut y remédier. Donc ce sont quelques-unes des animations que nous proposons. Il y a aussi un atelier sur les plantes médicinales pour connaître les plantes et savoir comment les utiliser. Donc ça fait partie des animations que nous proposons aujourd'hui, donc mardi 1er août et demain mercredi 2 août sur le site de la plage de Babin à Mornalo.